Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'adore et qui est réalisé et interprété par toutes mes idoles. Sorti en 2019 sur la plateforme Netflix, ce film s'inscrit dans la volonté de la plateforme d'engager de grands réalisateurs en leur laissant une grande marge de manœuvre, s'assurant ainsi de grands noms sur leur catalogue. Le film est réalisé par Martin Scorsese, un des plus grands réalisateurs de tous les temps, à qui on doit notamment The Raging Bull, Taxi Driver, Les Nerfs à Vif. On le connaît essentiellement aussi pour des films de mafia comme Casino et Les Affranchis. Et The Irishman pourrait s'inscrire comme le dernier volet de sa trilogie après Les Affranchis et Casino. Au casting, on retrouve Joe Pesci sorti de sa retraite pour répondre à l'appel du réalisateur. Lui, je connais pas. Bah quand même. Joe Pesci. On retrouve Robert De Niro, mon acteur préféré qui a tout joué. Ah ouais, c'est celui qui a joué dans Dirty Papi. Ta gueule. Et Al Pacino, l'autre grand acteur à qui on doit tout un tas de rôles. Ah ouais, Jackie Jill avec Adam Sandler. Tu vas la fermer, ta gueule, oui. Et donc, de quoi ça parle? Le film est une adaptation du livre « J'ai tué Jimmy Hoffa » et qui raconte la vie du tueur à gages Frank Sheeran. Ce personnage, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, va faire la rencontre d'un certain Russell Bufalino qui va le rapprocher peu à peu de la mafia italienne. Il va commencer à exécuter plusieurs contrats pour lui et un jour, il va faire la connaissance d'un certain Jimmy Hoffa, un personnage important, directeur d'un syndicat de camionneurs. Et en tant que fan de Scorsese, je n'ai pas été déçu. C'est une fresque magistrale où on suit la vie et les malversations de ces gangsters. Cette histoire s'inscrit dans l'histoire américaine et on se rend vraiment compte de l'implication de la mafia dans la société. Et au cours des 3h30, Scorsese prend vraiment le temps de développer ses personnages, son histoire, fait de meurtres, de trahison et de famille. Et même si on aurait pu couper quelques passages, mais bon, on va pas chipoter. Le film nous vendait un rajeunissement numérique de ses personnages et c'est partiellement réussi. Pour Al Pacino et Joe Pesci, pas de problème, j'y crois. Mais en ce qui concerne Robert De Niro... Franchement, au niveau du regard, au niveau de certaines mimiques, ça fait pas naturel et ça me sort complètement du film. Alors oui, ce n'est pas le meilleur film du réalisateur, mais on sent qu'il a mis du cœur à l'ouvrage parce que le film a mis 12 ans à se faire. Et le film sonne comme le glas ou le barreau d'honneur dans la filmographie de Martin Scorsese. Et il a voulu conclure sa trilogie mafieuse avec une grande fresque qui sent la vieillesse et le bilan sur une vie de cinéma. Et quoi de mieux pour ça que de prendre des vieux briscards au crépuscule de leur carrière? En bref, si vous avez la nostalgie des films de gangsters, de Martin Scorsese, de Robert De Niro, d'Al Pacino et de Joe Pesci, eh ben foncez voir ce film. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et n'oubliez pas de faire vos suggestions en commentaire pour les prochains films. À bientôt !